Welcome to Hollywood. Everybody comes to Hollywood, got a dream. What's your dream? When I was a little girl, I would pretend I was a princess trapped in the tower, and then this knight on a white horse would come charging up and rescue me. Could you tell me how to get to Beverly Hills? Sure. For $5. You can't charge me for directions. I can do anything I want to, baby. I am lost. All right, okay. You have change for 20? For 20, I'll show you person. Wow. Impressed? You kidding me? I come here all the time. Well, color me happy. There's a sofa in here for two. Close your mouth, dear. Who is this girl? Does she work? She's in sales. Touchstone Pictures presents the story of a date. This isn't a date, it's business. That led to a deal. I have a business proposition for you. I'm going to be in town until Sunday. I'd like you to spend the week with me. That's becoming a dream come true. Time to shop. Get rid of your gum. All right. I don't believe you did that. You're going to be spending an obscene amount of money in here. So we're going to need a lot more help sucking up to us, because that's what we really like. Oh. You understand me? Sir, if I may say so, you're in the right store and the right city, for that matter. They're two people who have no business being together. Everybody is trying to land him. Well, I'm not trying to land him. I'm just using him for sex. Just doing a little business. The company I'm buying this week, I'm getting for the bargain price of about $1 billion. $1 billion? Your folks must be really proud, huh? Everything was going their way. Well done! Well done! Walk, walk, walk! Until... I don't want you to go. You hurt me. Yes. Don't do it again. Something unexpected happened. What the hell is wrong with you this week? You fell in love with him? Did I not teach you anything? Look, I'm not stupid, okay? I'm not in love with him. I can find you an apartment and get you a car. I want more. I want the fairy tale. I think you are a very special woman. Your dream coming true. Touchstone Pictures presents Richard Gere. So what happened after? Climbed up the tower and rescued her. Julia Roberts. She rescues him right back. Pretty Woman. Maybe you guys could, like, get a house together. Buy some diamonds. Le film qui fait du bien en ce moment. Et oui, c'est un film qui fait du bien à revoir, à se revoir, etc. Pretty Woman, le comédie romantique qui touche tout le monde, qui touche au cœur, qui est très beau, qui est d'une force, etc. Alors oui, c'est une comédie, c'est pas vraiment les films pour lesquels je vous êtes habitué à me regarder. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime bien les westerns, j'aime bien, mais de temps en temps j'aime bien un petit peu me fondre dans un petit cocon et me regarder quelques comédies romantiques qui sont superment bien faites, et Pretty Woman, voilà, fait partie de ce choix. Alors au casting, on a quand même Julia Roberts, on a Richard Gere, on a aussi Ralph Bellamy, on a Hector Elizondo qui joue aussi dans ce film. Il y a aussi, c'est réalisé par Gary Marshall qui a pas réalisé grand chose, peut-être un épisode des Happy Days, vous voyez, avant, et là il arrive en 90, il nous fait ce long métrage qui s'appelle Pretty Woman, comédie romantique, et qui va cartonner au box-office. Ça parle de quoi ? Pretty Woman, c'est une histoire très simple en fait, c'est un peu un conte de Cendrillon moderne. C'est, vous prenez une ancienne, une prostituée, ou une tapineuse, comme vous voulez, qui fait le trottoir, vous prenez un prince un peu milliardaire, richissime, homme d'affaires, ils sont absolument à l'opposé, aux antipodes de se rencontrer, et pourtant, une étincelle, quelque chose, le destin, le hasard, le karma, ce que vous voulez, font qu'ils vont se rencontrer. Et puis progressivement, ils vont apprendre à s'apprécier, d'abord des relations de clients, voilà, puis après des relations de patron à employé, pour progressivement enchaîner vers une relation plus intime. Et puis comme ça, c'est le conte de fées. Il va vivre un petit peu une histoire d'amour, etc., etc. Bref, c'est la comédie romantique par excellence, le film de romance. Et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. J'adore. Franchement, j'adore ce film et je lui mets la note de 8 sur 10.
film pour moi qui, je sais pas si on peut le qualifier de chef-d'œuvre, mais c'est un très très bon film que je me revois avec plaisir, même plus de 20, 25 ans, je crois qu'il est sorti en 91, hein, 91 ou 91 un petit peu, fin 90 chez nous, début 91, ça dépend, etc. C'est qu'un film de 90 réalisé. Bref, c'est un film de la fin des années 80 qui embraye sur les années 90. Et même si, voilà, je le revois toujours avec plaisir. Pourquoi? Parce que c'est un film qui parle d'amour, qui parle un petit peu aussi des rangs sociaux, des choses comme ça, les rapports que nous avons, l'image, le fait que malheureusement, si on n'a pas la carte de crédit, ben on nous regarde un petit peu, on nous rejette. Malheureusement, un petit peu ça évoque ça dans ce film. Et puis c'est voilà, toujours des thèmes universels comme ça, toujours des thèmes qui parlent sur les riches, les puissants, l'image que l'on a, etc. Et bien sûr, au milieu, il y a l'amour. L'amour entre deux personnes qui n'étaient pas faites pour se rencontrer, qui ont chacun leur monde. Et puis comme ça, les contraires s'attirent, dit-on. Et puis voilà, on arrive à une alchimie qui s'opère, peut-être parce que lui, même s'il a tout, il lui manque quelque chose, il lui manque. Et puis elle, si elle a rien, elle rêve, elle se dit que ma foi, son rêve peut être se réaliser. Ils ont chacun quelque chose à gagner dans cette histoire, et c'est peut-être ça qui est très prenant. Alors bien sûr, oui, c'est du cinéma, c'est du cinéma, c'est une comédie romantique, on en a vu aussi beaucoup, mais il y a quelque chose, voilà, qui nous touche au cœur. On revoit ça comme une sorte de cocon. Moi personnellement, j'aime bien Pretty Woman, j'aime bien cette histoire, même si elle a plus de 25 ans, même si on a déjà vu ça à Hollywood, mais je sais pas, on met ça dans le lecteur ou sur, maintenant elle est sur Disney+, on peut mettre ça sur le téléviseur, et il y a quelque chose qui nous enveloppe comme qui nous baigne. C'est une comédie romantique, mais qui n'est pas gnangnan, qui n'est pas rose bonbon, qui n'est pas genre Harlequin, ou voilà. Il y a quelque chose de vibrant, il y a quelque chose qui nous touche au cœur, quelque chose qui. On a envie d'y croire, on a envie d'y croire, même si c'est vrai que oui, il n'y aura jamais quelqu'un qui va débarquer comme ça, à l'improviste, te sort. Mais on a envie d'y croire, on a envie d'espérer, on a envie de rêver. Et c'est ce que nous vend ce film, c'est du rêve, c'est vraiment du rêve, et c'est dans une belle histoire, dans un bel écrin, avec une réflexion sociale derrière, une réflexion sur l'argent, sur le pouvoir, qu'est-ce que c'est qu'être, voilà, qu'est-ce que être milliardaire, mais c'est perdre un peu son âme, parce que oui, le héros, hein, le héros, je crois que c'est Edward Lewis, incarné par Richard Gere, est vraiment un monstre un petit peu désabusé. Il a plus, voilà, il paye, enfin, il a le poste un petit peu de ce qu'occupait notre Bernard Tapie national, c'est-à-dire qu'il lâchait des entreprises, il les rend, c'est un pirate, hein. C'est un pirate, et puis voilà, c'est tout. Mais il a, voilà, il va rencontrer cette femme un peu sur qui va se mettre sur son chemin, parce qu'on sent qu'il a, voilà, qu'il, de toute façon, les femmes, il a une femme, il avait une maîtresse, mais il a tout perdu parce que, ben voilà, son métier, c'est les aléas de la vie. Et puis, il va rencontrer cette femme qui va tout changer dans cette vie, qui n'est rien, qui n'est, c'est juste une tapineuse, et pourtant, il va l'élever, il va trouver la femme, la perle rare, celle qui. Voilà. Et c'est ça qui est très bien dans ce film, qui est bon dans ce film, c'est que c'est un film qui est féministe, mais pas féministe comme aujourd'hui, c'est un féministe dans le bon sens, parce que, en fait, à la fin, enfin, en fait, le film, c'est elle qui gagne, c'est elle qui va obtenir ce qu'elle veut, parce que les hommes, bon, beau avoir de l'argent, du pouvoir, on est tous les mêmes, nous, les bonhommes, et quand on nous rencontre la femme, bah, on est là, on est comme des petits garçons, on a envie de faire tout, et les femmes, elles nous baladent, et on a beau jouer les gros machos, les gros bras, devant les femmes, on est rien. Et c'est ce film, c'est à la fois une comédie qui va s'adresser aux couples, aux célibataires, aux gens comme ça, tous ceux qui rêvent d'amour, tous ceux qui se reconnaissent, chacun peut se reconnaître dans cette comédie, et c'est ça que j'aime bien dans ce film. C'était un film qui peut se voir,
qui peut se voir qu'on ait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 60, 64, le moment qu'on vit l'amour, tout le monde vit l'amour à n'importe quel jour de sa vie, tout le monde rêve, tout le monde a des rêves, tout le monde a des espoirs, et c'est pour ça, c'est plusieurs lectures dans ce film qui nous font du bien. Donc, revoyez Pretty Woman, ce film est disponible maintenant sur la plateforme Disney+, je crois, il est, je crois, sur Amazon Prime, enfin, c'est un petit film très sympa, qui fait quand même 2 heures, hein, fait 2 heures, où on suit comme ça les aventures de ce couple un petit peu hors normes, qui vont apprendre un petit peu à s'aimer, à s'apprécier, se découvrir mutuellement un petit peu, c'est très bien filmé, c'est dans le décor de Los Angeles. La photographie est super parce qu'on se balade un petit peu entre Beverly Hills, un peu San Francisco, toujours dans des, voilà, dans des belles voitures, dans des choses. Ça nous vend du rêve, mais pas du bling-bling. Ça reste discret, ça étale pas, simplement, voilà, c'est l'argent, etc. C'est l'argent, mais c'est le rêve. Tout simplement, c'est le rêve. C'est le rêve. C'est le rêve, l'amour, l'espoir. Beaucoup de choses dans ce film qui nous donnent envie, eh bien, de vivre une belle expérience de 2 heures, assis dans son canapé, à rêver tout simplement. Film intemporel, parce qu'il peut se voir aussi bien, il se voyait aussi bien dans les années 90 que maintenant. C'est un petit peu du Roméo et Juliette, c'est un peu comme toutes ces comédies romantiques qu'on a, qui viennent. Voilà, c'est pas gnangnan, c'est pas quelque chose rose bonbon, c'est pas des romans harlequins. C'est simplement une très belle histoire et qui a bien fonctionné à l'époque et qui fonctionne encore aujourd'hui à tout âge parce que l'amour, ben, c'est quelque chose d'universel. Si vous avez vraiment envie de vous faire une belle soirée un petit peu comme ça, vous vous sentez un petit peu, pas déprimé, mais un petit peu triste, voilà un film qui va vous regonfler le moral, qui va vous donner envie d'espérer, qui va envie de croire à vos rêves. D'ailleurs, c'est écrit dans le film. Croyez à vos rêves, croyez, même si vous avez l'impression que ça ne passera jamais, mais croyez à ce que vous vivez, vivez-le intensément. Et puis aussi, montrer que même si on a de l'argent, même si on a du pouvoir, il y a des choses qui ne s'achètent pas, il y a des choses qui ne se négocient pas. C'est pas parce qu'on a, on possède tout qu'on peut tout perdre, finalement. On peut perdre même l'essentiel, on peut perdre même son âme, on peut devenir un monstre. Et puis, il nous manquera, voilà, pas vivre comme un salaud toute sa vie, quoi. Bref, Pretty Woman, film beaucoup plus intelligent et plus intéressant que l'on croit. Et surtout, à une époque comme la nôtre, c'est un film qui fait du bien, qui va vous requinquer. Regardez ce film, faites-vous plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.